Langue, philosophie, astronomie même, les domaines de connaissances abordés par l'université du temps libre sont riches et variés, et les raisons de s'inscrire à l'aquarelle et à d'autres cours multiples. Ça apporte déjà d'avoir des occupations pendant la semaine, de rencontrer du monde, de se perfectionner dans certaines matières qui nous intéressent, voilà, parce qu'il y a un choix, il y a beaucoup de choix quand même, hein. Ils sont plus de 200 inscrits aux différents cours depuis hier et devraient au moins atteindre le nombre de l'an dernier, 375. Un succès qui s'explique peut-être par les principes d'enseignement. Pour nous, c'est de permettre aux étudiants de débattre, d'échanger. Et non pas, il ne s'agit pas de cours magistraux. 72% des inscrits sont des femmes retraitées, mais les actions de l'université vont également en direction des étrangers qui souhaitent apprendre le français. Bah, je parle, je travaille, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a beaucoup de mots aussi que j'arrive pas à comprendre. Bon, c'est comme tout le monde, quoi. Mais bon, je suis là plus pour apprendre à lire et écrire, mais c'est dans la tête, quoi. Ça, j'arrive pas à apprendre. C'est compliqué l'écriture? Oui. Cette année, une nouvelle matière est enseignée, l'histoire des trois religions monothéistes.